Salut tout le monde, c'est Ascaféré. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un let's play d'un jeu que j'ai depuis longtemps, un jeu que j'ai extrêmement joué quand j'étais jeune, le jeu que j'ai plus joué après Age of Empires, sans exagérer, qui s'appelle Spore. Alors Spore qui est un jeu formidable que j'adore encore, juste à retrouver ma boîte dans mes affaires, me redonner le goût de jouer, mais cette fois-ci en le filmant. C'est une série qui devrait être pas mal longue parce que la fin, j'ai jamais été capable de la finir, donc parce que ça finit, je pense que jamais été capable quoi. Donc le jeu Spore, c'est un jeu où est-ce qu'on incarne, où est-ce qu'on voit le développement de la Terre en fait, de notre planète qu'on choisit au début. Donc au début on commence avec, en étant un virus, une bactérie quoi, qu'on crée une bactérie, donc on peut la faire comme on veut avec des, si on la fait végétarienne, carnivore, donc c'est vraiment fun dans ce côté. Ensuite on devient des animaux, ensuite les animaux vont créer des villages, on va se transformer de plus en plus en genre d'humain. Ensuite on va créer des villages, mais une grosse ville, il va falloir qu'on conquérisse toute notre planète pour ensuite aller créer une civilisation, et la civilisation qui va nous permettre de se battre dans l'espace pour conquérir tout l'espace à nous. Donc, ben c'est parti. Je pense choisir cette planète. Donc, on peut choisir notre phase, comme je disais. On a la phase virus, la phase créature, la phase tribu. Donc, on a la tribu, la phase civilisation et la phase espace. Donc, nous, on va commencer avec virus. Donc, on va faire herbivore, hein, parce que l'eau, on va se mettre en normal. Nom de la planète, de votre planète, on l'appelle Aska Play. Non, Aska. Et pas ça, WTB. Et voilà. Puis j'oublie le A, bien sûr. Ok. Et qu'on commence tout de suite avec une petite intro. Nous voilà dans notre pierre. Attendez deux secondes, je suis en train de regarder, je voudrais savoir un peu c'est quoi la date du jeu. Tiens, qui a été sorti, non, je suis en train de regarder avec le coffret. Je sais pas, mais je sais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres jeux. Peut-être dans ce. Si on tourne les pages, non, on s'en va ici. 2008-2006 environ. Dans ces dates, dans ce coin-ci, dans les années 2008. Donc, le grand brouillon originel. Dans Spore, les choix que vous opérez se répercutent dans le futur. Votre but en tant que cellule sera de manger pour grossir et évoluer. Votre croissance est représentée par la barre de progression ci-dessous. La barre de progression. Voici votre barre de progression. En mangeant, vous gagnez des points d'ADN à investir dans des éléments de nature à faire évoluer votre cellule. Progressez, grandissez et votre univers s'étouffera. Ouais. Donc, on est là. Wow. Donc là, ça marche avec le clic droit, quoi. Je vais te manger, toi. Mange. Mange là. Comment ça marche? Non, je me rappelle pas trop. Qu'est-ce qu'on fait pour manger? Faut manger ce qu'il faut pour grossir. C'est ce qu'il faut pour grossir. J'ai mangé quelque chose. Je suis herbivore ou carnivore? Ah, je suis en train de grossir, les amis. Donc, le début qui est un petit peu moche.
Mais moi, je trouve que c'est vraiment un jeu qui nous instruit et nous montre vraiment comment la Terre s'est créée, en fait. Oh, on vient déjà grandir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ramasse les petites affaires. Est-ce qu'on peut manger, lui? T'as peur, hein, t'as peur. Meurs! Oh, ding, 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 ding. Oh, putain, la grosse bébé. Les autres cellules et les bouts d'émetteur renferment les éléments. Les éléments donnent des compétences à d'autres cellules. Oh, mais c'est vrai, ça, je m'en rappelle. Dès qu'un nouvel élément apparaît, nagez jusqu'à son symbole pour le ramasser. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. T'as donné des trucs super cool. Oh putain. J'ai rien. Je m'en vais. Je vais mourir. Putain, je suis mort. Faut mal, les bibites. Donc là, on va se reproduire, quoi. Je sais rappelle pas quoi ça fait, comment ça servait. Ah, c'est ça. Donc ça, c'était pas vraiment nous, c'était notre mère. Donc là, qu'est-ce que j'ai dans le jeu? C'est qu'on peut tout faire. Donc, si je veux faire grossir, si je veux faire des yeux ici, je peux. Si je veux faire des yeux ici, je peux. Je peux tout faire, quoi. Donc, on va enlever la queue. Comment qu'on faisait, donc, pour agrandir notre corps? Donc là, on va mettre... donc ça, ça fait de la vue. Ça fait 5 de vue, de la vue, de la vue. Vitesse. Donc, on va se faire une... On va se faire des queues pour aller plus vite. Quoique là, je vais vendre ça parce que moi, je veux le carnivore. Carnivore, c'est meilleur. Ensuite, on peut choisir la couleur, qu'est-ce qu'on veut comme teint. Hein. Mais habituellement, quand on va être plus homme, là, on va pouvoir... ouais, j'aime cette couleur, j'aime comme ça. On a mis la cellule. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, on va pouvoir vraiment le faire notre bestiole grande, si on veut, petite, donc, c'est qu'est-ce qui est fun, quoi. Donc là, nous, on mange ça. Ouais, c'est ça que je pensais. On doit manger les grosses. Et c'est ça qu'on mange. Pour se faire grossir, gars, on commence à grossir, extrêmement. On mange des bébés. Donc, on fait courir après. Je vais faire courir après. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un nouveau bébé qui va naître? Ah! Bélier! On est rendu avec un bélier. Donc là, lui, ça va faire qu'on fasse plus mal si on veut changer notre bestiole. Parce qu'au courant de l'aventure, on peut changer, comme là, je pourrais la changer tout de suite en faisant un autre bébé. Par contre, faut faire des bébés pour ça. Pour le changer. En faisant des bébés, on peut changer notre vie. Oh là là, tu vas t'en aller, tu vas te calmer tout de suite. On va plus vite que lui, c'est bon. On va se sauver. On se promène dans le monde des cellules. On va les manger ceux-là. Ouch, c'est moi qui. Ah! 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 Wow! C'est pas une grosse bébé qui m'a attaqué! C'était pas du jeu, ça! Bon, c'est bon, je commence à grossir. Donc là, on commence à rien voir, sauf on commence à rien voir, sauf notre... les grosses bestioles de notre grandeur. Wow! C'est pas du festin qui est là. Ce festin. Comment j'ai ça? Je te nique, t'es morte. Oui. Ok. Je te nique. Donc là, je pourrais me reproduire pour changer mon bonheur. Mais je passe plus me faire grossir au maximum pour passer tout de suite cette phase. Parce que c'est un petit peu la phase la plus plate, on pourrait dire. On va manger lui. Après, on mange. Donc là, ça nous fait plein de nourriture, quoi. Moi, je veux que tu manges ça.
Sinon aussi, je pense peut-être faire un let's play sur StarCraft. Parce que je le joue. Ça fait longtemps que j'ai joué. Joué quand j'étais jeune aussi, comme je disais. Je sais pas, mais je pensais peut-être le faire si vous ça vous tente. Ça me dérange vraiment pas. On va le rattraper, on va le rattraper, on est capable, on est capable. T'es mort. Ok. Bam, t'es mort. Je commence à grossir de plus en plus. Donc, on va manger celui-là parce qu'on n'a pas d'aile. Ouch, ouch, ouch. Je me fais défoncer. Mort. Non, je recommence à quelle grandeur? Ok, je recommence gros. Ok, ce que je pense faire, c'est me reproduire quoi. J'ai pu. C'est bon. On se reproduire, je vais pouvoir faire que je fasse plus mal. De la vitesse quoi. Donc le bâton de le bélier, donc si on met ça comme ça, ça marche. Puis à la place de cette là, on a passé on peut faire ça de même. Pi. J'aimerais se mettre celle là parce qu'on va le mettre comme ça et puis même comme ça. Je pense pas que c'est le meilleur c'est pas la meilleure idée là, mais j'ai fait un kill. Oh, j'en ai niqué un. Faut s'en aller. Je vais pas trop vite, je pourrais vous dire. T'es morte. Augmenter dans la barre d'expérience et voilà. Donc je pense faire un épisode à la fin de cet épisode, je vais arrêter. Bon, ben j'essaie de me rendre jusqu'à la fin quoi. J'ai peur. Alors. C'est moi ça. C'est un moi. Je peux pas me tuer, il s'appelle Ascafé, c'est le nom de ma bestiole. On va se reproduire encore parce que je me suis fait de l'argent. Pour faire que j'ai des petits calculs avec moi. Et peut-être, je sais pas, mais j'avais débloqué quelque chose qui faisait que j'aille plus vite, je crois. Ouais, c'est ça, donc ça. Donc ça, comme ça. Donc là. Et on va aller super vite, les amis. On va pas se sauver, se rapprocher de nos alliés. Mais de sauver, d'attaquer nos des ennemis. Regardez comment on va aller. On va vite. Pas capable de sauver, tellement que je vais vite.
Donc, ce qui est fun aussi, c'est que les choix que tu fais dans le jeu vont faire que ton jeu soit différent au fur et à mesure. Exemple, je vais jouer super, que je suis super agressif, quoi. Ben, non, je vais passer vite, je pense que je vais mettre herbivore. Donc, on va se couper. Tiens. On se coupe. Ouais, herbivore, je pense que ça va être plus simple. Comme ça. Comme ça. Donc, ouais, parce qu'il y a comme ces affaires ici présentes. Ça va m'en donner mal. J'ai un gros ça. Tu me le fais, tu. Super dévié par contre. Ah! Le gros spot. Ouf, la bouffe, la bouffe, la bouffe. C'est pour ça que je veux me mettre à l'herbivore. Parce que si je trouve ça, ça va aller super rapide. Le mec, bah, gros, mais. Pas capable d'attaquer. C'est ma bouffe. Il a tout mangé, espèce de gros porc. Aïe aïe. On se promène, on est à la recherche de nourriture. Je suis au centre. Putain, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Cours, Forest, cours! C'est pas worth. La bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Oui, ça va faire évoluer tout de suite. T'es moche. Il y a plein de nourriture quand je vais que je me fais nourrir. Que c'est vraiment cool parce qu'en fait c'est con mais c'est vraiment qu'est-ce qui arrive hein? Les bactéries c'est vraiment qu'est-ce qu'ils font je pense c'est qu'est-ce que je suis pas bon quoi. Oh my god ils sont trop immenses que... Donc le rendu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui marche chez herbivore, carnivore. Donc je vais mettre carnivore. C'est bon. Donc là on va changer un peu le qu'est-ce qu'on veut faire dans l'atelier. Donc on enlève ça. On met ça. On fait ça de même.
Nous, on va y aller. On va aller plus vite, puis on les rend du carnivore. Ouch! Ouch! Genre, je suis au milieu de la pièce de même. Pourquoi moi? Bon, on va laisser faire ça. On va grandir. C'est moi ça. Immense. Donc, apparemment, c'est beaucoup. Donc, on se nourrit encore. On commence à finir l'évolution. On va pouvoir devenir un animal. Donc là, pour la suite, je pense. Après toutes mes forces, yolo. Arrêtez de manger la bouffe, c'est de la mienne. C'est mort. C'est mort ma bouffe. Putain, je mens. Il était trop de sur moi. Je pouvais rien faire. Ok. J'ai t'aidé mon ami. Aïe aïe. Calmez-vous. Mais ils m'ont gangbang à 5! Il était 5 sur moi! Ils me défonçaient! Ah, c'est quand ça c'est un petit peu difficile. Tiens, arrêtez! Il m'attaque encore un chien! Ouch, on s'en allait. Peut-être sans mourir. Bon, merci. On a bientôt fini là. On va se reproduire parce que j'ai masse d'argent. On va s'acheter de la vitesse, quoi. Je trouve ça beau comment ils font les bébés. On va aller super vite quoi. Comme de cette manière là, on va aller super vite quoi. Vous allez voir le chicky ça. Aïe aïe. Aïe aïe. J'ai pu. Je vais manger, je vais manger, je vais manger. Aïe aïe. Yeah.
Évolution. J'ai un cerveau. Je suis rendu avec un cerveau, les amis. Je vais pouvoir m'évoluer. Félicitations, vous êtes sur la voie de l'intelligence. Pour nager dans la boue, vous êtes un... Non. Pour nager dans la boue, vous êtes un os. Alors, prêt à déplier vos pattes? Oui. Oui? Alors, cliquez sur le bouton historique. Je vais mourir. Votre chronologie, excusez-moi. Cette chronologie reprend les actes de votre vie de cellule. Vous avez ainsi établi une tendance et vos générations futures bénéficieront de compétences hérédites. Et vous, quelle voie avez-vous choisi? Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de faire de herbivore à carnivore, carnivore, herbivore, changer tout le temps. Parce que là, ça m'a rendu à omnivore, donc ça veut dire que je peux manger de tout. Donc ça m'a bien aidé pour la prochaine étape de ma vie. Donc là, on enlève. Comment qu'on fait pour la switch de bord. Comme ça. Ok. Ensuite, on va faire ça comme ça. Et voilà. Ok. Donc, on peut le faire gros, maigre, comme on veut. Là. On peut le faire. Utiliser la molette de souris pour acheter les détails des mollets. Ah, c'est comme ça qu'on fait, ok. Donc, je peux me faire gros. C'est bon. Donc, on va se faire de même. On va mettre des massifs jambes. Des bras encore ou des mollets, on va se mettre des mollets, genre. Comme ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai comme pas le choix de faire. Sinon, je peux te mettre des yeux, ouais. Oh, je suis trop cool! Non, c'est une joke, je vais pas faire ça moi-même. En gros, sur la tête. Comme ça. Ensuite, on va changer ma couleur, on va se mettre comme ça, comme une girafe. J'ai de l'air d'une girafe en plus! Askafir, parenthèse, girafe. Est-ce que je suis rendu une girafe? Je suis thug. Fausse créature. Différation de l'inventaire cellulaire. Calcul des variances d'animation. Donc là, on vient de rentrer dans la phase créature, les amis. Il était temps. Donc là, les prochains épisodes, ça va être de la bombe, les amis. De la bombe. Donc, petite cinématique avant. C'est le début d'une nouvelle ère, et aussi vos premiers pas dans un monde bien étrange. L'air emplit vos poumons. Vous dégourdissez les pattes sous la terre ferme. La course à l'évolution a commencé. Bienvenue sur la terre ferme. Vous êtes maintenant une créature entourée de vos
congénères. Pour évoluer, vous devez croiser les autres espèces de la planète et gagner de l'ADN. L'ADN gagné remplit votre barre de progression. Voyons voir. La barre de progression, c'est bon, mais on l'a déjà fait ça. Objectif. Ici se trouvent vos objectifs. Comme indique, c'était... Ok, donc les objectifs, on va les voir. Donc, les amis... Oh, mais on voici notre petit terrier avec notre famille. Et il va falloir qu'on se... qu'on change notre... qu'on se s'éparpille sur cette planète pour devenir une civilisation. Et vous allez découvrir ça pour le prochain épisode. Alors, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.